Salut tout le monde, aujourd'hui nous nous attaquons à un guide qui est ma foi plutôt complexe. Je vais essayer de vous faire une vidéo qui est assez simple sans vous prendre la tête et vous bourrer le crâne pour rien. Je vais essayer de vous faire un guide sur les mods. Alors anciens comme nouveaux joueurs, je pense que ça va clairement vous intéresser parce que les mods ont totalement changé. Donc essayons de remettre tout ça au clair. Il y a quelques mods qui ont changé d'équipement, c'est-à-dire qu'ils sont passés de jambes au bras ou vice versa. On va essayer bien sûr de tout regarder. On se retrouve directement dans les mods pour voir. Petit détail avant de commencer, pour équiper tous les mods, il va falloir être rang 7. Alors, quand je dis tous les mods, vous n'êtes pas obligé d'être niveau 7 pour utiliser un dynamo, hein, bien sûr. Vous voyez, il nécessite le rang de gardien 5. Par contre, le plus haut, c'est le rang de gardien 7. Et donc, pour équiper des mods qui sont, censés être plutôt bons et plutôt cruciaux, donc il va falloir être niveau 7. Donc, pour tous ceux qui sont en dessous, apprenez quand même à manier les mods au fur et à mesure, ça va arriver. Voilà, alors on commence avec la tête et on va essayer directement de voir comment ça fonctionne. Avant de commencer à faire tête, bras, torse, tatata et vous expliquer rapidement, je vais passer sur les modes qui ressortent, les modes verts, les modes... Alors pour moi c'est du bleu, bleu et jaune on va dire, voilà, ou orange, on va dire jaune. Alors, c'est pas compliqué. Tout ce qui est mode vert va vous permettre sous une condition de récupérer une charge d'armure. C'est un petit buff que vous avez à côté de votre gardien. Par exemple, là, utiliser votre super permet à vos alliés proches d'augmenter leur charge d'armure. Donc, imaginons que vous avez un pote à côté qui a ce mode, qui utilise son super, vous avez une charge d'armure. Tout ce qui est mode bleu va vous permettre, sous la condition d'avoir une charge d'armure et de la consommer petit à petit, va vous faire gagner, par exemple, ici, un boost d'intelligence. Voilà, si vous avez charge d'armure sur vous, donc, une unité de charge armure, sauf que ça va consommer au fur et à mesure. Et donc une fois que vous avez plus le boost d'intelligence. Donc voilà, gagner une charge d'armure, le consommer tout doucement, ou alors le consommer d'un coup, le consommer d'un coup avec un mode jaune. C'est comme vous voulez. Et là voilà, quand vous avez quand votre énergie de grenade est à son maximum, vous gagnez de l'énergie de grenade. Donc ça c'est un passif, on s'en fout. C'est très intéressant. Cela dit, c'est très intéressant, mais on s'en fout, c'est un passif. De plus, votre charge d'armure se consume et vous gagnez de l'énergie de grenade supplémentaire à chaque unité. Voilà. Donc, vous avez très bien compris comment ça fonctionne. Vous avez charge d'armure, ça augmente votre grenade. Et passivement, ça augmente aussi votre grenade lorsque vous avez plus d'énergie dessus. Alors, c'est marqué un maximum, mais c'est un minimum, bien sûr. Ils ont refait la traduction, mais ils l'ont refait à chier. Donc, voilà, on s'en fout. Vous avez compris. Si je récapitule, vous gagnez charge d'armure, vous consommez tout doucement, vous consommez d'un coup. À vous de voir ce qui vous plaît. Alors, nous allons du coup commencer avec les modes sur la tête. Alors, les modes sur la tête, alors on commence directement avec du coup les détecteurs de munitions spéciales. C'est pas compliqué, avant c'était sur chaque type d'arme, maintenant c'est beaucoup plus simple. Augmente les chances d'apparition de munitions spéciales lors des frags. Vous le mettez, vous faites des frags, vous avez plus de chances d'avoir des munitions spéciales. Ce qui est très bien lorsque vous utilisez dans un build en balle votre arme spéciale. Ça, c'est si vous l'êtes assez altruiste à côté munitions spéciales lorsque vous en récupérez. Donc lorsque par contre vous avez ce mode d'activer, vous pouvez mettre celui-là si vous ne pourrez pas. Donc lorsque vous faites tomber une brique grâce à ça, vous avez des alliés, vos alliés qui voient la brique aussi, qui peuvent le prendre. Nous on s'en fout, on est des joueurs solo, donc on va pas s'en occuper. Vous avez la même chose pour les munitions lourdes et ici pareil pour donner les munitions lourdes à vos potes. Voilà, ensuite vous avez l'amélioration de compétences sur le casque. Donc vous avez Dynamo qu'on va retrouver plus chez le chasseur. Réduit le délai de récupération de votre super lorsque votre compétence de lorsque vous utilisez votre compétence de classe à proximité des cibles. Lorsque vous esquivez à côté des cibles, vous récupérez du super. Vous avez la même chose pour la grenade et la même chose pour la mêlée. Vous faites des kills à la grenade, vous récupérez du super. Et kills à la mêlée, vous récupérez du super. C'est très simple, ça suit tout le temps. Vous avez la même chose pour le super qui crée des orbes. On s'en fout complètement, enfin c'est plutôt useless, donc on va le passer. Ensuite, je vous ai dit, vous avez voilà, les modes qui vont faire en sorte de gagner de la charge d'armure. Ça, je préfère à la limite voir plus tard dans une autre vidéo, parce que c'est assez chiant de voir ce qui est méta ou pas. Mais au moins, vous avez compris le système. Voilà, donc ça, c'est pour gagner de l'intelligence, tatata. Donc ça, c'est vraiment à regarder dans des builds bien spécifiques. Voilà, vous mettez pas ça dans n'importe quel build. Si vous jouez un build où il vous faut en balle d'intelligence, vous allez mettre un plus de sagesse, par exemple. Voilà. Ça, on met de côté, vraiment, c'est assez... C'est pas complexe, mais ça va pas avec le type de vidéo. On va essayer de faire un truc très très simple.
Ensuite, vous avez tout ce qui fonctionne avec les orbes de puissance. Comment on peut créer des orbes de puissance avec un build avec les modes qu'on peut mettre sur le casque? S'il faut un monieux que je vous conseille de faire, les frags rapides à l'arme abyssale créent un orbe de puissance. Pourquoi l'arme abyssale? Parce que je suis en abyssal, tout simplement. Donc les frags rapides avec les armes de votre doctrine, donc on la même, le même élément que votre doctrine, ont une chance de créer un orbe de puissance. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter un petit coup parce que ça va être très intéressant. En fait, vous allez voir que maintenant, lorsque vous allez vous faire un build avec des mods, si vous êtes en abyssal, jouez des armes abyssales. Et c'est ce que je me tuais à vous dire, dans la saison dernière, que ça va devoir être comme ça, parce qu'on voyait qu'on se rapprochait de plus en plus avec les modes d'armes exotiques, les modes d'armure exotique, que ça allait arriver de toute façon, que les builds, maintenant, on allait devoir utiliser des armes du même élément que notre doctrine, et c'est arrivé, donc voilà. Et donc, je vous conseille de jouer ça, parce qu'en plus, les modes coûtent moins cher. Vous voyez, par exemple, là, les armes qui utilisent le même élément de votre doctrine coûtent 1, donc vous avez une chance de créer des orbes. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez le faire avec les armes cinétiques. Voilà, lorsque vous faites des kills avec l'arme cinétique, vous faites tomber des orbes de puissance, les armes cryoélectriques, les armes solaires, les armes stasiques, les armes de fil obscur, et à l'abyssal, bien sûr. Pardon, à l'abyssal, parce que c'est écrit ici, abyssal aussi, sauf que là, ça se module par rapport à ce qu'on a. Voilà, ça coûte plus cher, et en plus c'est plus chiant, il faut toujours bouger lorsque vous changez d'arme. Donc je vous conseille vraiment le siphon harmonieux, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ensuite, vous avez toujours la même chose sur tous les modes, sur toutes les classes. Vous avez ciblage harmonieux, ciblage cinétique, ça va être quoi? C'est la même chose. Lorsque vous avez une arme abyssale, et ben vous améliorez l'acquisition de cible. Voilà. Ici, du coup, c'est modulé par rapport à ce que à votre doctrine, aux armes que vous avez. Donc, pareil, le même élément d'arme sur la doctrine. Voilà, vous avez compris le système. Vous avez la même chose pour le cinétique, pour le cryoélectrique, tatata. Et voilà, ça va être toujours la même chose. Et vous allez voir que, par exemple, pour les bras, eh ben, ça va être la même chose. Vous avez un meilleur temps de recharge pour les armes qui ont le même élément de votre doctrine. Et donc là, on va éliminer un sacré paquet de modes à apprendre parce que c'est toujours la même chose. Le rechargement pour la même arme, pour le cinétique, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ici, c'est pareil, la dextérité pour rancher plus rapidement ou mieux ou prêter plus rapidement à l'action. Dextérité harmonique, tatata, pareil, papapa, c'est toujours la même chose. Et nous allons voir que sur le torse, c'est la même chose. Alors, c'est des modes différents. Ici, c'est la perte de précision. Mais c'est toujours le même délire. Sur le même élément de votre doctrine, sur le cinétique, sur le stasique, tatata, toujours la même chose. Récupérer des munitions avec des armes qui ont le même élément. Et au niveau des jambes, vous voyez que c'est la même chose, le rechargement. Ici, c'est le rechargement automatique, il faut quand même que je vous dise ce que c'est. Rechargement automatique. Et ici, vous avez plus de munitions lorsque vous récupérez des briques. Voilà, donc sur la tête, les bras, le torse, les jambes, tout le pavé de fin, vous l'avez compris, il n'y a rien de compliqué. Voilà, si on continue du coup sur les bras, vous avez lanceur puissant qui vous permet de lancer plus loin vos grenades, on s'en fout. Puissance de feu qui vous permet de générer des orbes de puissance lorsque vous faites des kills à la grenade, ça c'est nouveau, donc vous l'avez pour la grenade, pour la mêlée, voilà, rien de plus simple. Vous avez transfert d'élan qui vous permet de récupérer de la mêlée lorsque vous faites des kills à la grenade, vous avez récupérateur d'impact qui vous permet de récupérer de la grenade lorsque vous faites des dégâts à la mêlée, voilà, tout ça en fait c'est toujours la même chose, vous voyez, c'est toujours les mêmes symboles, sauf que ça fonctionne avec des compétences différentes, c'est tout. On a dit les jaunes, tout ça pour l'instant on oublie. Si vous voulez, lisez-les, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est juste que c'est très précis. Et donc on oublie pour cette vidéo. Torse, alors là c'est pareil, on voit la même chose, ça c'est la résistance. La résistance aux dégâts abyssaux parce que je suis en abyssal. Et donc ça coûte moins cher. Et puis ça c'est la résistance. Vous avez pareil, voilà, amortisseur de commotion. Mais après ça c'est pour les AOE, c'est différent. On s'en fout par rapport à l'élément, c'est pour les AOE. Ici on s'en fout, voilà, c'est des modes spéciaux. Lame lumineuse augmente le temps de chargement en énergie de votre épée. Alors ça je vais pas vous mytho les gars, on n'utilise pas. Donc vous avez un build glaive, ce qui est très très rare, mais ça on verra pour le cas par cas. Le pavé à la fin, on l'a déjà vu, c'est très simple. Les jambes, très intéressant. Lorsque on a vu comment on crée des orbes de puissance. À quoi vont nous servir? Vous récupérez des points de vie lorsque vous ramassez un orbe de puissance. Vous commencez à récupérer des points de vie lorsque vous ramassez un orbe de puissance. Vous récupérez de la grenade lorsque vous ramassez un orbe de puissance. Vous récupérez de la mêlée. Vous récupérez de la compétence de classe. Vous récupérez un peu de toutes les compétences lorsque vous récupérez un orbe de puissance. Voilà, donc le pavé ici est fait. C'est très simple, c'est toujours les mêmes choses.
orbe de remise en état. Pareil, ramasser un orbe de puissance confère une petite quantité d'énergie à votre compétence qui en a le moins. On n'utilisera pas, c'est pareil. Unité par unité, bon ça on a dit, on oublie. Ah si, je peux peut-être vous montrer ça parce que c'est pareil, c'est encore une fois la même chose. Surcharge d'armes cryo électriques. Vos armes cryo électriques ont un petit bonus de dégâts tant que vous disposez d'une charge d'armure. Donc lorsqu'on va se faire un build, on va forcément faire un build où on va récupérer de la charge d'armure. Et ben si vous utilisez un build abyssal, on a vu que vous avez des armes abyssales. Et donc vous allez mettre surcharge d'armes abyssales. Voilà, c'est tout bête, il n'y a rien de plus simple encore une fois. Vous avez si peut-être un petit bonus puis d'agilité. Donc voilà, là c'est un bonus de mobilité lorsque vous avez charge d'armure. Parce que je vous l'ai pas dit, mais on voit qu'ici on a un boost de résistance lorsqu'on a charge d'armure. Sur le bras on a un boost de mêlée et un boost de discipline. Donc un boost de grenade, voilà, quand on a charge d'armure. Ici un boost d'intelligence. Donc c'est pareil, ça se suit. Le casque c'est l'intelligence. Les bras c'est la mêlée et la discipline. Le torse c'est la résistance. Et les jambes c'est tout simplement les dégâts d'armes. Voilà, encore une fois c'est hyper simple. Le pavé en bas, on l'a déjà vu, pas besoin. Et on passe déjà à la fin parce que ça va être en termes de classe. Donc là les classes je vais pas vous mytho, à moins que je dise une grosse bêtise, mais d'après mon expérience sur le jeu, tout ça, tout ça, on va très rarement les utiliser. C'est tout ce qui est coup de grâce, ça pète tout le rythme dans vos games, ça vous rend immobile. C'est très chiant à utiliser. On verra plus tard, bien sûr je vais vous sortir des builds dans pas longtemps, donc on verra si on les utilise ou pas. C'est utilisable, bien sûr, je dis pas le contraire, mais c'est trop chiant à utiliser, alors je pense pas vraiment, donc on va pas se pencher dessus en tout cas pour l'instant. Ensuite, vous avez encore une fois la même chose ici. Par exemple, distribution. Réduit les délais de récupération des compétences lorsque vous utilisez votre compétence de classe à proximité. Vous utilisez votre esquive, vous récupérez de l'esquive. Vous utilisez, donc on va pas y sortir tant parce que c'est de la mêlée, vous utilisez votre barricade, vous récupérez de la mêlée. Vous utilisez votre faille, vous récupérez de la grenade. Voilà, la même chose encore une fois à chaque fois. Et c'était déjà sur la classe, donc ça change pas. Et peut-être vous avez source de restauration qui fonctionne avec les autres modes qu'on a vu. Donc ceux qui sont ici, ceux qui sont... Vous avez un mode bleu à chaque fois, hein, un type de mode bleu à chaque fois. Et ici ça va être pour la restauration. Donc pareil, vous avez charge d'armure, vous récupérez un boost de récupération. Voilà, c'est tout simple. Et vous avez, pour terminer faucheur, après avoir utilisé votre compétence de classe, votre prochain frag à l'arme crée un orbe de puissance. Donc voilà, donc... Il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez construire des builds juste en fait, c'était vraiment cette vidéo, c'est vraiment pour enlever les gros pâtés que vous voyez. Donc vous voyez que ça, par exemple, on enlève. Ici, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas besoin de réfléchir à tout lire. Ici, c'est toujours la même chose. Ici, c'est la même chose avec les orbes. De toute façon, une fois que vous êtes familiarisé avec les logos, vous comprenez directement rien qu'au logo, en fait. Voilà, ici, c'est toujours la même chose. Ici, c'est toujours la même chose. Voilà. J'espère, en tout cas, que vous aurez compris et je vous aurai libéré un gros poids dans votre cerveau d'essayer de tout lire et tout ça. Et en général, ça, ce sont les modes qu'on peut mettre sur toutes les pièces d'armure. Totalement toutes les pièces d'armure. Vous pouvez mettre dans le premier slot et c'est pour gagner des statistiques, tout simplement. Voilà, donc on a vu maintenant comment ça fonctionnait, donc les statistiques qui sont ici bien sûr, voilà. Donc on a vu comment tout fonctionnait, il n'y a rien de compliqué, c'est juste de la lecture, faut réfléchir, faut pas oublier certains modes, voilà. En tout cas, si vous voulez vous construire des builds tout seul, j'espère que cette vidéo vous aura grandement aidé au moins, voilà, à vous expliquer et à vous familiariser avec les modes et avec les builds. Si vous avez la flemme et si vous n'êtes pas sûr de votre build, restez bien sûr sur ma chaîne, il y a déjà des builds disponibles si vous voulez regarder, mais c'est pas les mêmes modes. Il y a bien sûr des builds qui vont sortir dans pas longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura informé, qu'elle vous aura plu. Je vous dis du coup à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.